ce n'est pas fini. Les taches solaires AR3697 et AR3664 se trouvent à nouveau devant la Terre et vont tirer sur nous d'énormes flux de plasma. Si ces interruptions solaires touchent notre globe, d'intenses tempêtes géomagnétiques se produiront. Les scientifiques mettent en garde. En mai 2024, nous avons déjà été frappés par les tempêtes solaires les plus fortes depuis plus de 20 ans. Et maintenant, l'intensité va encore augmenter. Le pic attendu du cycle solaire actuel pourrait nous envoyer la plus forte tempête solaire jamais enregistrée. As-tu assisté au spectacle de lumière sur l'Europe en mai 2024? Dans certaines régions, le ciel nocturne était rouge sang, ailleurs, des aurores vertes ou bleu brillaient. Ces magnifiques aurores, qui ne sont normalement visibles que dans les régions polaires les plus éloignées de la Terre, ont été déclenchées par une énorme tempête solaire. Dans l'hémisphère nord, les lueurs ont voyagé loin vers le sud, et dans l'hémisphère nord, le jeu des couleurs pouvait être vu de loin vers le nord. La Terre entière a subi les effets d'un flux de particules si violent que les mécanismes de sécurité de notre champ magnétique terrestre ont échoué. Les particules chargées électromagnétiquement ont pénétré dans les profondeurs de l'atmosphère et nous ont offert bien plus que cette lueur fascinante. Nous avons eu de la chance, cette fois-ci. Après la plus grosse tempête depuis 20 ans, seuls quelques fournisseurs d'électricité régionaux ont signalé des problèmes ou des pannes sur les réseaux électriques. Elon Musk a été soulagé de poster un diagramme montrant à quel point ses satellites ont résisté à la tempête. Le scénario aurait pu se dérouler différemment. Une tempête solaire de la taille de l'éruption de mai aurait pu nous plonger dans une crise mondiale. Aujourd'hui, les énormes taches solaires responsables des tempêtes se réveillent à nouveau. Que va-t-il se passer? AR3664, activité alarmante à la surface du Soleil. Qui aurait pu penser qu'une éruption X, aux proportions destructrices, pourrait se produire en l'espace de quelques semaines seulement? Les scientifiques ont observé les événements sur le Soleil avec inquiétude, et même les astronomes amateurs pouvaient presque voir l'incroyable à l'œil nu. En l'espace de quelques jours, plusieurs petites taches solaires ont fusionné et ont formé ensemble une énorme tache solaire 15 fois plus grande que notre globe. Le 9 mai 2024, le satellite GOES-16 de la NOAA a détecté une éruption solaire à 20h, heure française. Un énorme flux de particules s'est détaché de la surface du Soleil et se dirigeait dans notre direction. La source de la tempête était manifestement la tache solaire AR3664. Peu après, les systèmes de sécurité ont émis un avertissement de tempête géomagnétique G4. Une tempête G4 est classée comme sévère sur l'échelle des tempêtes géomagnétiques de la NOAA. Et au pire, une telle tempête nous apporte des pannes dans les réseaux électriques et les technologies satellitaires, des perturbations dans les systèmes de navigation et le trafic aérien proche des pôles, et d'autres perturbations dans les systèmes magnétiques ou électriques. La tempête venait de frapper la Terre lorsque AR3664 a libéré un autre flux de particules. Le 10 mai 2024, les satellites ont enregistré une éruption solaire intense de classe X5,8. Le spectacle a commencé à 3h23, heure d'Europe centrale, et la tempête a fait rage pendant tout le week-end, ce qui nous a valu une fois de plus de magnifiques aurores, mais aussi un certain nombre de problèmes dans les alimentations électriques. Le 11 mai 2024, les géologues ont alors enregistré pour la première fois une contrainte massive sur le champ magnétique terrestre. Les particules chargées du Soleil ont interagi si violemment avec l'atmosphère que le champ magnétique a montré des faiblesses et des trous régionaux. Nous ne savons pas encore quels seront les effets à long terme de telles perturbations du champ magnétique terrestre. Nous ne pouvons qu'espérer et prier pour que notre Terre résiste à la tension. Personne ne sait exactement ce qui pourrait se produire en cas de défaillance du champ magnétique de notre Terre. Cependant, en cas de dommages permanents, nous serions certainement exposés à une augmentation inquiétante des radiations. Dans le pire des cas, nous pourrions perdre l'atmosphère terrestre, ce qui pourrait avoir des conséquences à long terme similaires à celles de Mars. Et ça continue. 14 mai 2024, la tempête G5. Les scientifiques l'avaient vu venir. Depuis de nombreuses années, ils annonçaient le jour où la tempête G5 mettrait notre civilisation à rude épreuve. Le 14 mai 2024, le moment était venu. La plus grande tache solaire actuelle a produit une éruption solaire de classe X8,7, qui est immédiatement entrée dans l'histoire comme la plus grande du cycle solaire actuel. L'éruption solaire aurait eu l'étoffe d'une tempête G5.
Les éruptions de ce type entraînent des éjections coronales massives qui projettent encore plus de flux de particules vers la Terre. Les conséquences de cet événement sur le Soleil ont à nouveau provoqué des tempêtes géomagnétiques de longue durée sur la Terre. Le 27 mai 2024, cela a continué. Une autre puissante éruption solaire de classe X a été observée. Cette fois, les émetteurs et récepteurs de radio à ondes courtes sont tombés en panne dans le monde entier. Transmission radio internationale, les systèmes de communication d'urgence, les radios maritimes et aériennes, ainsi que les systèmes de communication militaire ont été touchés. Les gens ordinaires du monde entier ont été ravis de voir des aurores dans les régions où ce phénomène n'est normalement pas observé. Il a été démontré que cette dernière tempête géomagnétique de mai 2024 affectait le champ magnétique jusqu'à de grandes profondeurs océaniques et avait des effets mesurables sur des systèmes de boussole en haute mer, perturbant par exemple les communications sous-marines. Les compagnies d'électricité internationales ont signalé des problèmes régionaux dans les systèmes de lignes électriques et un certain nombre d'opérations satellitaires ont été perturbées par les violentes tempêtes solaires renouvelées. AR-3664 devient AR-3697. À quoi pouvons-nous nous attendre ? Savais-tu que nous pouvons nous attendre à des émissions menaçantes de la part du Soleil 24 heures sur 24 ? Presque personne sur Terre n'est conscient de ce danger. Les taches solaires se produisent en permanence et il n'est pas nécessaire qu'elles soient aussi grandes que AR-3664 pour nous causer des problèmes. Même les plus petites taches solaires, qui apparaissent parfois très rapidement, peuvent libérer d'énormes éruptions. Les taches solaires sont causées par une activité magnétique intense à la surface du Soleil. Le Soleil est constitué de différentes couches et le champ magnétique est essentiellement produit à l'intérieur du Soleil. Les champs magnétiques eux-mêmes sont créés par le mouvement du plasma chargé électriquement à l'intérieur du Soleil. Lorsque ces champs magnétiques traversent la surface du Soleil, ils empêchent le plasma chaud de remonter de l'intérieur, ce qui rend les zones concernées plus froides et plus sombres. Ce sont les taches solaires que nous pouvons voir à l'œil nu, mais protégées, depuis la Terre ou avec des télescopes appropriés en fonction de leur taille. Les observatoires solaires tels que SOHO surveillent le Soleil 24 heures sur 24. Chaque changement à la surface est immédiatement signalé et les scientifiques gardent un œil constant sur les émissions du Soleil. SOHO est l'acronyme de Solar and Heliospheric Observatory, une sonde spatiale statique qui a été mise en orbite conjointement par l'Agence spatiale européenne et la NASA. Depuis décembre 1995, le satellite observe notre Soleil à une distance d'environ 1,5 million de kilomètres de la Terre. SOHO se trouve donc sur une orbite très similaire à celle du nouveau télescope spatial James Webb. Sur Terre, le plus grand observatoire solaire est situé sur le volcan Haleakala, sur l'île de Maui à Hawaï. Les observatoires solaires diffèrent considérablement des télescopes normaux. En raison de la vue directe sur le Soleil, ils doivent travailler avec des technologies de filtrage spéciales et être protégés des radiations solaires constantes. En avril 2024, les chercheurs solaires d'Hawaï et les experts en charge de l'installation SOHO ont observé la formation d'AR-3664, un véritable géant parmi les taches solaires. Au pic ascendant du cycle solaire, le développement des taches solaires toujours plus grandes et plus menaçantes est normal. Et pourtant, cette fois-ci, tout est différent. Pour la première fois depuis 2003, AR-3663 a bombardé la Terre de tempêtes solaires si violentes qu'une alarme permanente a été déclenchée. Après sa première éruption, la tache a fait une fois le tour de la boule de feu ardente le long de l'axe de rotation du Soleil. Après une période de rotation de 27 jours, elle est revenue, puis elle a de nouveau pointé directement vers la Terre et les chercheurs ont été avertis une fois de plus. AR-3663 avait changé au cours de son orbite autour du Soleil. Éruption ou EMC, laquelle est la plus intense ? Il est difficile de croire qu'il existe des zones sur le Soleil qui sont jusqu'à 15 fois plus grandes que notre Terre et que ces zones sont froides et sombres. Les taches solaires sont causées par des processus tout à fait normaux à l'intérieur du Soleil. Les gaz, le plasma et les particules bouillonnent dans diverses couches en forme d'oignon. Le champ magnétique provoque des bouleversements que nous pouvons à peine imaginer. Des milliards de tonnes de matière brûlante s'élèvent, coulent, bouillonnent ou se refroidissent brusquement lorsque les lignes de champ magnétique se tordent à l'intérieur des couches. Il en résulte une tache solaire nettement plus sombre que toutes les autres zones environnantes et également plus froide. En raison du refroidissement et d'un effet que les scientifiques appellent « reconnexion magnétique », d'énormes quantités d'énergie sont soudainement libérées et ce phénomène est connu sous le nom d'éruption solaire ou d'éjection de masse coronale, ou EMC en abrégé. La différence entre les éruptions et les EMC
réside dans la formation et la quantité de matière libérée. Les éruptions solaires sont causées par la libération rapide d'énergie, de lumière et de particules à haute énergie par les champs magnétiques tordus. Les EMC, quant à elles, sont d'énormes bulles de plasma et de champs magnétiques propulsés dans l'espace par la couronne solaire. Lorsque ces bulles atteignent la Terre, elles peuvent provoquer des tempêtes géomagnétiques tout comme les éruptions perturbant les systèmes électriques, les satellites et les systèmes de navigation et entraînant d'intenses aurores. Les éruptions sont généralement constituées de flux de particules moins denses, mais elles sont plus rapides et nous frappent en quelques minutes ou quelques heures. Les EMC transportent une masse plus importante, mais mettent souvent des jours à nous atteindre. Un changement menaçant, AR3664 devient AR3697. Ce n'est pas fini. La tache solaire AR3664 aurait pu se désintégrer. Mais au lieu de s'étendre, elle a changé de forme et revient sous le nom de AR3697. Cette tache, qui a encore grandi, pourrait continuer à nous causer de graves dommages sur Terre à l'avenir. Lorsqu'AR3664 est revenue après 27 jours d'errance autour du Soleil, elle a subi un changement spectaculaire en raison de la striation de nombreuses lignes de champs magnétiques. À son retour, la tâche a été reclassée en AR3697, ce qui est tout à fait normal. Le changement de nom après un tour du Soleil est une pratique courante qui aide les chercheurs à observer et à analyser continuellement ces phénomènes. AR3697 a immédiatement poursuivi son activité inhabituellement intense. Le 27 mai 2024, une éruption de X2,8 nous a frappés et à peine une semaine plus tard, AR3697 a projeté une éruption de X1,4 dans notre direction. Ces éruptions nous ont à nouveau apporté des perturbations géomagnétiques et des pannes de systèmes de radio à ondes courtes à travers le monde. Le cycle solaire actuel, connu sous le nom de cycle solaire 25, a débuté en décembre 2019 et devrait durer 11 années complètes. Nous ne saurons pas ce que ce cycle solaire nous apportera tant que nous n'aurons pas à passer le pic. Nous ne sommes qu'au début de l'activité solaire la plus intense. Le pic attendu sera atteint en 2025. Si ces nombreuses et puissantes éruptions n'étaient en fait que des signes avant-coureurs, nous devons nous préparer à un stress extrême. Abonne-toi dès maintenant, de nouvelles vidéos passionnantes arrivent en permanence.